C'est une première mi-temps où justement, là, il n'y avait aucun rythme dans le match. On ne pouvait pas, nous non plus, mettre de rythme parce qu'à chaque fois, où le ballon sortait, où on ne jouait pas vite vers l'avant, où on avait des lacunes techniques. Donc voilà, à la mi-temps, je leur ai dit que si on voulait prétendre gagner ce match-là, il fallait quand même malgré tout mettre plus de rythme et pas jouer au rythme de Guingamp, qui était là pour laisser passer le plus de temps possible et essayer de nous empêcher de jouer, ce qu'ils ont malgré tout bien fait, mais on devait faire plus. On a beaucoup joué vers l'arrière, on a sécurisé tout notre jeu. Et le fait de sécuriser quelque chose, c'est de ne pas prendre de risques. Et aujourd'hui, quand on ne prend pas de risques, on ne peut pas gagner des matchs. Parce que, à la mi-temps, je leur ai dit. J'aurais dit à un moment donné, si on veut faire autre chose, il faut prendre des risques. L'erreur, elle est humaine et on a le droit à l'erreur. Ceux qui ne ratent pas, ils ne sont pas à Troyes. De toute façon, ils sont dans d'autres clubs. Nous, on a le droit de rater des choses, mais il faut tenter des choses. Et puis après, on voit ce qui se passe. Mais si on ne tente rien, à un certain moment, on peut pas, on va pas vers l'avant, on joue tout vers l'arrière, on sécurise les passes. On est dans un rythme de jeu où les trois centraux, je pense que c'est eux qui, en première mi-temps, ils ont touché le plus de ballons. Et à un moment donné, il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Mais en face, il y avait un bloc regroupé, pas facile à manœuvrer, qui était sur une victoire et 3 ou 4 nuls. Ils n'avaient pas perdu depuis un moment. Nous, on sortait de 2 défaites. Donc ce soir, c'est quand même plaisant de passer la barre des 60 points et d'être à 61 points, d'avancer dans ce championnat. Et puis, on va avoir un match la semaine prochaine intéressant. On a su gagner 1-0, on n'a pas pris de but. Gauthier nous a laissé dans le match malgré tout, sur des coups de pied arrêtés. On savait que de toute façon, en faisant rentrer des joueurs athlétiques, ça allait être compliqué. Mais dans les qualités mentales de ce que j'ai ressenti, c'est que les joueurs ont fait énormément d'efforts. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit à la fin du match, même si dans le contenu et techniquement, par moment, ce n'était pas ce qu'on voulait. Mais l'essentiel, vous savez, quand vous arrivez dans un sprint final, c'est de ces matchs-là, il faut les gagner. Et il faut le gagner avec une mentalité. Et je pense que ce soir, on a montré des qualités morales importantes.